Hello. On est chez le docteur. Donc dimanche matin. Donc ici le médecin, le docteur est ouvert le dimanche. Bah écoutez, je suis malade. J'ai mal à la gorge, je tousse. Toi aussi ma chérie. Je crois que c'est vous, toi aussi ma Rania. C'est vous, je pense, qui m'avez contaminée. Sûrement un virus de l'école. Souvent c'est comme ça, hein. À chaque fois elles viennent de l'école avec quelque chose et ensuite je le chope. Et le truc c'est que je pensais que ça allait passer, mais c'est de pire en pire, donc du coup je passe chez le docteur. Donc voilà pour ce dimanche matin. Enfin matin, il est déjà midi, hein. Je me suis réveillée tard, il était 10h quand je me suis réveillée. En même temps Haroun il s'est réveillé je ne sais pas combien de fois la nuit, donc du coup Trois fois, t'es sûre qu'il s'est réveillé trois fois? Non, il s'est pas réveillé trois fois ma chérie, il s'est réveillé beaucoup plus de fois. 10 fois. On est dans le taxi. Haroun il est en pleine. Haroun il est en train de téter. Et on va chercher un tapis. C'est pas vraiment un tapis d'éveil, c'est un tapis spécialement adapté pour les enfants. J'ai vu le même chez une copine et j'en ai trouvé un d'occasion. Il coûte relativement cher, hein. C'est assez cher même. Franchement, en neuf il est à 300$. 300$ à mettre, ça fait 200€. Et donc là je l'ai eu pour 100$. Enfin je l'ai eu. Je ne l'ai pas encore, mais je vais le chercher. Donc pour 100$, il était à 170 et ça faisait un moment que la personne l'avait mis en ligne. Donc je lui ai proposé 100 et elle a accepté 100. Donc voilà. Donc je vais le chercher là. Je vais le chercher. Et ensuite, on va aller manger. T'as mal au ventre, Rania, mais t'as toujours mal au ventre quand on est dans le taxi. Voilà le super tapis. Franchement, il est super, hein. Il est vraiment bien adapté. Je vous le montrerai tout à l'heure, mais c'est vraiment hyper épais. Donc c'est juste parfait pour... pour les bébés et les filles, comme ça, on va pouvoir réviser l'alphabet. R comme l'alphabet. Yes. Ok, voilà, on est à Ikea. Donc on va faire un petit tour. On va choper... je sais pas ce qu'on va choper, je suis trop malade. Franchement, je suis crevée. C'est juste un petit rhume, mais franchement, ça me fatigue. Donc vous voyez le tapis, il est juste en dessous. Et franchement, il est juste trop trop top. Tout à l'heure je vous le montrerai à la maison, je le déballerai, donc je vais vous montrer. Et je vous montrerai également les petits jouets, notamment chopés ici chez Ikea pour Haroun. Quand je viens à Ikea, j'aime bien faire un tour ici, toujours. Aziz, je sais pas, c'est le coin, bon coin on va dire d'Ikea. En l'état. Ça veut dire quoi, en l'état? Ouais. Ok, et franchement il y a moyen de trouver de chouettes choses, donc j'aime bien jeter un œil, même si franchement des fois j'achète rien du tout. Regardez la position de Haroun, j'aime trop quand il dort comme ça. Je vais les prendre parce que les fourchettes, on en a plus, on avait acheté un pack de 6 et il y en a une qui a disparu. Donc du coup là c'est à 35$ au lieu de 60. C'est juste parce que l'emballage est abîmé. Ok, yallah, ta'al. Qu'est-ce qu'en fait? Oui, en fait c'est double face. Mariam, tu dois respirer bien dedans. Voilà. C'est un double face, mais là, dans un premier temps, on va le mettre comme ça, Ahmed. De l'autre côté. Voilà. Okay. Vous voyez donc. Moi, ce que je pensais, parce que Mariam, ça c'est mieux pour bébé, il aime bien les couleurs. Tu vois? Et il y a l'alphabet, et quand il sera plus grand, on pourra changer. Ahmed, moi je pensais le mettre plus de ce côté-là. Le mettre. Voilà, lui faire son coin à lui ici, et nous, de ce côté-là. Non, je crois qu'avec la table basse, ça va pas le faire. On va essayer. On va essayer. Je vous montre le résultat. Juste là. Comme ça, au cas où il tombe en arrière. Mais alors, je vous montre l'épaisseur, les filles. C'est un truc de malade. C'est super épais. C'est vraiment hyper épais. Donc, du coup, ça amortit bien les chocs. Et alors, ce qu'on a fait, c'est que... on n'a pas trouvé d'autre solution. La meilleure solution qu'on a trouvée, c'est de lui faire un coin dans le salon. Donc, il est ici. Oui, tu peux mettre... Donc voilà, comme ça, il a vraiment son coin à lui, ici, dans le salon. Et alors, chez Ikea, j'ai aussi pris cette boîte, comme ça. Oui, bon, il tombe encore un peu partout. Haroun, voilà, bah heureusement que j'ai mis les coussins. Boum, heureusement que j'ai mis les coussins. Heureusement qu'on a mis les coussins. Heureusement qu'on a mis les coussins. Kit, kit, kit. Donc je disais, en gros, pour Haroun, ça c'est une copine qui m'a refilé ça. Attends mon chéri. Donc chez Ikea on a pris ça. Il aime bien s'amuser avec ça. Oui ma chérie, 5 secondes s'il te plaît. Rania, il manque un. Hein. Tu dois le retourner. S'il te plaît Rania, écoute maman. Depuis tout à l'heure maman elle te demande, il y en manque un des comme ça. Pour Haroun, pour faire la tour. Bon, pour l'instant, il est plus dans la destruction que la construction. Et surtout, dans l'exploration, puisqu'il met tout à la bouche. Donc voilà, on a pris cette tour-là, ici, chez Ikea, qui coûte rien du tout et qui est vraiment pas mal. Alors,
Alors on a aussi ça ici, Haroun. J'avais reçu un paquet à la naissance et donc dedans il y avait ça. Tiens. Tiens, Haroun. Tiens. Voilà. Allez. Oui. Oui, j'ai peur qu'il mette ça dans son œil. Waouh. Oh, ok. Sinon, on peut le faire avec les doigts. Regarde, Haroun. Comme ça. C'est ça ton jouet préféré. Oui. C'est ça ton jouet préféré. Alors, une autre chose qui est bien ici avec ce genre de tapis, c'est que vous voyez, ça se nettoie. Vous pouvez passer un petit coup, ça se nettoie. Ok, on a ici deux chats. Comme. Hop là. Il est où le deuxième? Oh my god, les pyjamas sont là. Ok, je vous montre vite fait mon outfit. Elle va montrer à maman. C'est la deuxième tenue parce que Haroun il m'a littéralement régurgité dessus. Merci. Thank you very much. Terima kasih, nan. On va manger. Les filles elles vont faire un peu de trottinette, j'ai plus de voix. Et j'ai refilé mon rhume à Ahmed. Voilà. Bon, en gros, le médecin il m'a juste donné un sirop pour la toux. Et des pastilles pour la gorge, c'est tout. Rien d'autre. Donc, ça grimpe de sortir le soir. Hein. Le problème de la journée, c'est qu'il y a trop de soleil. Ok, donc. Rania, c'est comme ça, il y a des bus. J'en ai marre de répondre aux questions. C'est quoi, c'est des... Ça dépend le trafic. S'il y a beaucoup de monde, ils mettent des bus à deux étages. S'il y a moins de monde, des bus à un étage. Bah écoutez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que la prochaine fois, je serai plus en forme. Et voilà, donc n'hésitez pas les filles à, comme d'habitude, commenter, partager, liker. Et surtout, dites-moi les filles, pour vos petits, quel type de jeu vous utilisez. Je sais pas moi, les tapis. Dites un peu qu'est-ce que vous utilisez pour éveiller votre enfant au monde qui l'entoure. Allez, à plus. Sayonara.